Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Dark Souls 3 sur PC. Donc on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. Ah flûte, faut pas que j'oublie lui. Donc là on va prendre le raccourci qu'on avait débloqué plus tôt. L'idiot, et en plus c'est une braise. Quel dommage, Madame Chambier. Bon. On va faire attention. Très attention cette fois-ci. Voilà. Il fallait tirer ça, j'avais zappé. Il n'y a rien en dessous, ok. On va le faire remonter. Non, il faut pas que je me le retape, j'espère. Non, ça devrait être bon. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'il y a par là-bas. Ah merde. Pierrot. Ah lui. Invoquons lui. Invoquons celui-ci aussi. Donc lui c'est un faux. Bon il veut pas venir, allons-y. Et c'est Tipar. Ouch. Mmh.
essayer de nous concentrer un minimum. Ok, il n'a pas l'air si dur que ça. Mais on y retournera après. On va d'abord faire la visite de l'autre, enfin, de la map. Alors, qu'y a-t-il en bas? Voilà. Je suis pas déjà allé ici, hein. C'est vrai, il y a les couteaux de lancer aussi. Alors, une arme perce-maille. Non. Si j'en abuse, je ne peux pas rentrer dans la tour. Ah non, c'est pas la tour. Si, je peux toujours pas. Ok, donc il faudra que je revienne ici. Avec une clé de préférence. Verrouiller également ici. Parce que je voulais fermer, tant pis. Mais si je suis dû aller. Hmm.
Pour le moment, il y a l'air de rien avoir d'autre. Eh ben, c'est parti. On va devoir se fighter le boss. Je risque de beaucoup fail, hein, parce que j'ai perdu tout mon skill. Absolument tout. C'est pas vrai. À l'enflure. Ok, c'est qui part. Alors des persos, je risque de pas beaucoup parler, hein. Ah là je suis mort, ouais. Me disais bien. Tiens, les noirs. Allez, c'est type.
a fini, enfin, pour le moment, la première zone. Mais on va prendre, juste prendre le feu de la deuxième et ensuite on reviendra. Si vous avez déjà joué à Dark Souls, vous devez connaître ces bêtes. Petit indice, Dark Souls 1. Petit indice, géant de fer. Et la réponse, Anne Orlando. Donc, allons au sanctuaire les cheveux. J'ai besoin d'une arme en fait. J'ai 4000, ok. Clé à tour un peu cher. On va mettre de la force, je crois que c'est ça qu'il faut pour l'arme que je vais avoir dans pas de temps. Alors, où est-ce qu'il se trouve exactement? Je ne me rappelle plus. On va le faire depuis ici. Vous vous rappelez du dragon? Et ben voilà. On va essayer de le battre. Ouais, il est là-bas. On va terminer la vidéo sur ça. Enfin, on en a encore pour un petit moment, clairement. Bonjour. Alors, est-ce que là vous s'en va ou pas? Oui.
Sinon, j'espère que vous allez bien. Et désolé d'ailleurs, oui, pendant un petit moment, j'ai pas sorti l'épisode 12 de The Division. C'est parce que elle était méga longue, elle m'a pris 15 heures upload et j'avais pas vraiment le temps à cause de médicaments que je prends, j'ai du mal à dormir, du coup voilà. Ah là là. Vous inquiétez pas, hein. On doit juste faire 80% de la barre. LOL. Après il s'envolera. Je pense avoir assez de flèches. Oui, c'est vrai, si on vise au-dessus, il a plus mal. Voilà, là c'est bien. Allez, montre-toi. Oui, je sais, cela prend du temps. Que ça marche là-bas. Ah, fait pas assez de dégâts. Ah putain, j'aurais pas cette flèche. Allez, envole-toi. Je vais attendre pour les 6 dernières flèches que je puisse viser sa tête.
espoir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on l'aura, on l'aura. Faire. Je l'aurai, hein, je l'aurai. Je vous l'assure. Alors. J'espère juste qu'il apparaît jeune.
Ashen One. Bon, on va devoir faire comme ça. Hein. Ouais. Ah là là. Pas grave. Hein. Pretty, be careful. Bon. Dire quoi ça entreposer. Ah, mais dis pas que je les ai sur moi quand même. Ah, elles sont là. Bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Si je mets la régène, je le finirai à. En ellipse, puis je reprendrai la vidéo direct. Normalement, ça devrait vous aller. Bonjour. C'est le moment de vérité. Putain. Bon, ellipse, je reviens. Et me revoici, c'est bon, il s'enfuit. Enfin tout ramasser. Un courtin. Une braise. Et l'objet que je cherche le plus. La clé mort. Qui fut mon arme favorite dans le 1. Alors la clé mort, la voici. Je suis un fatrol, quel dommage. Nice. Allez, c'est parti. On va pas tarder à s'arrêter là, ne vous inquiétez pas. Trahison. Ah là là. Bon, vous êtes prêts?
possible. Rien à faire. Fait trop peur. En attendant, on va remettre l'ancienne arme parce que je fais plus de dégâts avec, je trouve. Désolé, je me concentre un petit peu. Je n'ai pas envie de mourir sur ce mimic. Il me one croque, hein. Enfin, s'il me croque, moi je plutôt. Voilà. Ah, je t'avais oublié celle-là. Et ouais. Pour le moment, on la garde. Une arme trop puissante. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Enfin, on va monter puis après on s'arrête là. Enfin, je vais donner le niveau puis après on s'arrête là. Cette vidéo, il n'y a pas eu grand chose, il y a eu un boss, ouais, c'est déjà bien. Un boss, on a on a fait bouger le dragon et tout. C'est bien, c'est bien. Et donc... je vais regarder si je peux faire quelque chose avec, avec cette hache. Attendez, est-ce que je peux faire de l'ambidextrie? Pas l'air d'y avoir d'ambidextrie dans celui-ci. Bah non, ça sert à rien. Non, c'est bon. On a toujours besoin d'une violette. You're a simple reinforced weaving. Welcome, very well then. Ah,
Ashen passé. Bon, on va tout utiliser, comme ça, ça sera fait. Cela ne donne que 50. Ok. Alors, on va vider un peu notre stuff aussi, vu qu'on peut vendre dans celui-ci. Non, je ne vendrai pas une braise. Non. Voilà. Oui, vous avez entendu un bruit derrière, je sais. Ok. Welcome, speak. Very well, then take. Alors. Monter un point en vigueur, voilà. Et puis un nouveau. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout abonner à la chaîne. C'était The Stealth, prochaine équipe à acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.